Salut tout le monde, je voulais vous faire une petite visite de notre laboratoire et notre ferme à champignons. Ici nous avons une haute affluence laminaire avec un énorme ventilo là-haut dont j'ai fait des vidéos avant. J'étais en train de faire un petit transfert quand je me suis dit que ça serait bien de faire une petite vidéo pour tous les gens qui ne parlent pas anglais. Et donc ici en fait on fait nos propres agars. Ici on a des clones sauvages, des copies de pétri, des cultures commerciales. Là-bas on a des tubes. On fait ces sacs avec même plus ou moins. On fait un anneau comme ça et on fait un filtre en coton synthétique à l'intérieur. Et ça fait des sacs de spawn pas mal du tout. Hein, voilà. Mais sinon les premières étapes, donc ça c'est pour juste la dernière étape de spawn, et pour les étapes précédentes on fait ça dans des jars avec le coton synthétique comme filtre. Je peux vous montrer à l'intérieur de la jarre qu'on utilise aussi un truc qu'on a lu à l'intérieur pour pas que le coton il soit directement en contact avec le mycélium. On a remarqué que c'était pas mal ça. Bref, et voilà, on en a plein. On a au moins 3 ou 4 pleurotes sauvages qui viennent de la nature. Bon, certains on les a pas encore testés, certains attendent pour sont pressés d'y aller. Et derrière, on fait plein de blocs, hein, comme ceux que j'étais en train de faire là. Donc voilà, ici c'est des blocs tout neufs, des blocs qui ont commencé à coloniser. Bon, certains sont pas très bien mélangés. Hein. Le pleurote il a du mal un peu avec le bois à coloniser le fond. Mais voilà, on en a plein de blocs comme ça. Et tous ces blocs, comment on les fait? On les prépare, en fait, le spawn, on le prépare principalement dans cette énorme cocotte là. Donc ici c'est la chambre d'incubation, donc où on a tous les blocs qu'on sort ici une fois qu'ils ont terminé, ou parfois même avant, quand on n'a plus la place à côté. Avant de les descendre en bas, on en a encore plein ici. Et on a un frigo derrière là-bas où on garde certaines cultures et le spawn qui est prêt à multiplier et ce genre de trucs. On a un autre frigo ailleurs, parce qu'il ne faut jamais mettre tous ces champignons dans le même panier, hein, c'est bien. Et ici on a ce fameux stérilisateur, hein, si vous connaissez Eric Meyer, c'est une copie de son stérilisateur, là, il est encore tout chaud ici. Salut, la suite de notre vidéo. Hier je vous ai montré là-haut le premier étage, les deux pièces d'incubation et le spawn lab. Maintenant je vais vous montrer le reste du laboratoire. Donc ici on produit des champignons, comme vous voyez là on est en train de préparer des sacs comme ça avec de la sciure de bois, du son, et donc tous ces sacs on va les mettre tout à l'heure dans le stérilisateur. On va rajouter de l'eau, hein, donc ici j'ai un petit flow control à base de ESP8266. Qui me permet de verser exactement le bon contenu d'eau pour chacun des sacs. Et je suis en train de faire tremper un peu de grains, là c'est de l'avoine et du l'orge mélangé. Donc ça, je vais le stériliser aujourd'hui. J'ai les sacs aussi. Je vais vous montrer un petit peu. Oui, alors on a une machine pour remplir ces sacs. Hein. En gros, on met les ingrédients là-haut, hein, et ils descendent par les trucs, ils rentrent dans la machine, et puis on donne des coups, 1, 2, 3, 4, 5, et ça donne ce sac-là. Même le gypse à côté, même principe. Hein. Donc voilà, j'ai mis un sac en bas. Et après je vais tirer sur ce levier. Alors c'est avec ces tout petits sacs, je fais 3 coups, ça fait des doses de 265 grammes. Et du coup on peut s'adapter au nombre, à la taille des sacs qu'on veut, quoi. Hop, voilà, là j'ai tiré un coup. Donc ça descend le brame et le bois, déjà mélangé. Là c'est 250 grammes, donc là c'est des sacs de 750 que j'essaie de faire, de poids de substrat sec.
Donc voilà, et je vais donner un deuxième coup. Hop. Voilà. Je complète en faisant un troisième coup. Voilà. Et c'est descendu. Et maintenant, je vais tirer sur le gypse. Donc il y a une petite poignée ici en bois. Là. Et hop. Voilà, hop, le gypse est descendu. Hop. Voilà. 750 plus 40 grammes de gypse, ça fait 800 quoi, dans les 800. Ouais. Bois qu'on utilise, donc ça c'est un type de bois, on a un autre qui est un peu plus petit ici, tu le vois à peu près là. C'est du bois de hêtre, spécial fumage. On utilise du son de blé, alors du gypse, hein, ça ressemble à du gypse. Voilà. On a un petit endroit pour les blocs de shiitake en train de sécher, là, pour faire plusieurs. Et ici on a la serre, donc aujourd'hui il y a pas mal de champi, bien qu'on ait fait la récolte hier soir. Donc voilà, nous on a plusieurs espèces en même temps, donc il y a shiitake, il y a, on le voit là-bas, eringi, pleurote grise, on a des petits pieupinots qui poussent aussi dans ces trucs à casing là, mais bon là, pas aujourd'hui. On a du shiitake, évidemment, shiitake, comme on les appelle, des pleurotes jaunes, donc ça c'est du eringi hein, qui est en train de pousser, on a un peu de ericium aussi, quelque part par là, voilà, et puis du pleurote de l'orme, et puis bon, on a aussi plusieurs pleurotes différents, hein, ceux qui viennent ici de Evia. Et donc voilà, ici on a un petit filtre là-bas rempli de spores roses. Voilà, ça c'est une spore print géante. Donc ça c'est juste pour pas envoyer trop de spores dans la rue par notre ventilateur. Hein. Donc là-dedans il y a le ventilateur ici et il va sortir les. Et puis cette année j'ai décidé de faire des tuyaux comme ça en sac plastique scotché ensemble hein, parce que c'était vachement moins cher. Donc voilà, ça c'est notre. Et puis on a l'humidificateur, hein, donc c'est toujours le même, ça n'a pas trop changé. Si vous regardez mon ancienne vidéo en anglais, c'est le même. Un petit ventilo ici, deux unités de trois cellules chacune, la vapeur sort là-haut, et voilà. Voilà, et c'est tout. On a, oui, j'ai oublié de mentionner les petits sprays là-haut, donc on a des sprays. Les petits sprays sont super sympas, ça envoie 15 secondes de spray. Toutes les deux heures et ça permet à ce que en fait ça diminue vachement les spores dans l'air, ça diminue le contaminant, donc ça nettoie l'air d'abord et puis ça, certains champi adorent hein, le shiitake, il adore être juste en dessous de ce spray là et du coup ça le stimule à fond pour pousser, même la pleurote quand il fait pas chaud elle aime bien. Mais on a trouvé cette idée de joindre les deux étagères avec du bambou et waouh, tout d'un coup on a multiplié par 3 la surface qu'on a exploitable. C'est vraiment super. Donc voilà. C'est vraiment super de cultiver des champignons. Hein. C'est plein d'avantages. Parfois c'est un peu compliqué, il faut arriver à tout faire, assez de quantité, etc. Si on veut arriver à survivre en tant que petite ferme, il faut arriver à faire plein de champignons, il faut arriver à maîtriser toutes les conditions, ne pas tout perdre aux contaminants. J'aimerais bien faire un petit zoom sur notre technologie des sacs avant de finir. Mais l'idée c'est que c'est de mixer un peu le modèle de grand sac américain avec filtre, normalement ils ont un filtre ici comme ça, et avec l'idée du truc chinois où ils ont des tout petits sacs comme ça et puis un filtre polyfil en haut. Et nous on a choisi, pour faire c'est on va prendre un grand sac et on va mettre un petit filtre polyfil. La seule chose à laquelle il faut faire attention c'est que il faut qu'il reste assez d'espace dans le sac à la fois pour le mélanger après inoculation, donc on ne fait pas comme les Chinois l'inoculation par le haut qui descend après le long du sac, non, on mélange, donc on fait à l'américaine. Et aussi, on a besoin d'espace à l'intérieur du sac. Et en fait, ici j'ai des sacs avec encore plus d'espace parce que les pleurotes, etc., ils aiment bien avoir de l'air. Le shiitake, il n'a pas de problème avec ces tout petits sacs là qui n'ont pas beaucoup d'air en haut. Donc voilà. Donc je prends un morceau de polyfil, alors celui-là est un peu petit, d'habitude je prends une bande en long comme ça, je l'enroule, je le plie d'abord, je l'enroule, voilà, ça fait un gros truc comme ça, et
juste pour comparer avec le tube. Voilà, il est plus gros que le tube, hein. C'est important au départ d'avoir un truc plus gros que ça. En plus, avec le plastique, ça va réduire un peu le diamètre. Et voilà, et une fois qu'il est là-dedans, vous pouvez regarder, voilà, ça dépasse en haut, ça dépasse en bas, il y a 1 cm de fil. Et voilà, et on peut voir, il n'y a pas un seul trou, parce que le polyfil, ce coton synthétique, il va grandir tout seul pour occuper le maximum d'espace. Donc, il est pratique pour ça. Après stérilisation, il durcit et il devient comme ça. Donc parfois on le réutilise, parfois on le jette et on ne le réutilise pas. Parce que celui-là, par exemple, il est plus très, il est un peu aplati. Hein. Donc si je le mets là-dedans, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas être assez rempli, quoi. Donc, voilà, ça c'est notre technologie des sacs. Hein. Super simple, vous pouvez le faire n'importe où dans le monde. C'était ça d'ailleurs à l'origine notre motivation. Ça, on fait des sacs de spawn de la même technologie. Pas de problème. Voilà. Donc peut-être vous aussi vous voudrez changer de type de sac et utiliser des sacs comme ça. Allez.